c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester un truc. Salut, c'est là. On est dans un magasin qui s'appelle le Elephant Parade et vous allez voir, il y a pas mal de trucs qui sont très intéressants. Bon, à part ça qui fait du bruit, mais. Alors, c'est des gros éléphants qui sont peints, alors en fait, qui sont peints par des artistes. Et vous allez voir, il y a un milieu, il y a une fin, vous allez voir, ça va vraiment vous surprendre. Restez jusqu'à la fin est exceptionnelle. Allez, donc ils font, le principe c'est ils font des éléphants en plâtre qu'ils font faire par des artistes en Chine, en Thaïlande, excusez-moi, qui font en Thaïlande, qui font des éléphants, qui les peignent et tout, et ils les mettent en vente dans ce magasin. Ça c'est la première chose. Alors par exemple, vous voyez, par exemple, il y a celui-là, ici, donc le Bangkok, Santi, Manan, hein, il vous explique un petit peu, de 2015, plutôt sympa, il y a le gros éléphant là, si vous avez énormément d'argent. On va faire un peu le tour des éléphants, vous allez voir le design. Alors à Lyon, ils l'avaient fait avec des lions justement, ils avaient fait peindre par des artistes. Celui-là, oui, celui-là il est tout en vert. Bon, par exemple, au niveau des prix, ça pique un peu. Hein. 15 000 bahts pour le petit, parce que le gros, il vaut lui 130 000 bahts, ça fait 2 500 euros déjà sûr, plus 30 000 bahts, oh, putain, ça doit faire, voilà. Ça fait plus de 4 000 euros, bon, mais après, vous avez quand même un truc d'exception. Je vous fais voir un peu les designs. Après, je vous explique pourquoi, en fait, les prix sont aussi chers et pourquoi c'est pour aussi pour la bonne cause. Je vais voir un petit peu ceux-là, les roses, c'est sympa. Celui-là, il est très, très, très stylé. Hein. Là, alors ceux-là, vous regardez, ça, c'est pour un peu chinois avec les jiaozi. Les cakes chinois pour la full moon. C'est pas le durian, hein, franchement. Alors, le petit, vous voyez, le petit, 1700 bahts, bah, ça fait 25 euros plus, bon, ça fait pas loin de 40, 45 euros hein, pour le petit. Ça pique un peu, mais vous allez comprendre pourquoi. Laissez-moi un peu de temps. Ici, moi, je fais voir tous les éléphants. Ici, vous pouvez regarder et dire, oh, c'est joli, voilà. Bon, vous avez vu, ça pique. Hein. Vous prenez le gros, là, 70 000 bahts. 70 000 bahts, ça fait 2 000 euros, quoi. Ça fait, putain, la vache, oui. Ah ouais. Bah ouais, c'est ça, bah oui. Parce que 10 000, ça fait, 10 000, ça fait 250. Donc, 7 fois 250, 7, 14, je dis n'importe quoi. Bon, 100 000, ça fait 2 500. Donc, 70 000. Un petit peu, je vais voir celui là-haut, le dernier. Il y en a vraiment des trop trop stylés. Je vais voir un peu celui-là. Ça, c'est pas mal. Parade. Alors, ça, je les ai achetés parce que ma mère m'a demandé. Vous voyez, il y a les... vous avez vu, peut-être si vous ceux qui me suivent sur Instagram, très très stylé avec le. Vous voyez, alors, je veux dire, à votre sapin de Noël, je veux dire, il a vu plus du tout la même gueule. Hein. Celui-là aussi, là, celui-là. Donc là, il y avait une promo, alors c'est 800 bahts, si on a acheté 3, vous en avez un gratuit, ça fait bon, ça pique un peu. Ici, là, il y en a un gros éléphant là-haut, voilà, mais moi, je le vois pas. Oh, celui-là avec le, un peu le monocle et tout, c'est très très sympa. Celui-là aussi, on va aller un peu vite, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. Ça sera plus rigolo avec les Iron Man là-bas, Spider-Man et tout. Oh, celui-là avec oui, très chinois avec de l'or, ils sont vraiment très 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 stylés. Allez, on continue un petit peu. Allez, combien le gros là, combien pour le chat dans la vitrine, 85 000. T'as un PCX 155 ici, enfin, t'as un même Intricity pour ce prix là sans les options, donc bon, ça pique, mais vous avez compris un peu l'idée. Ici, on va aller voir là-bas. Voilà, vous avez des coffrets. Un coffret plutôt sympa, très 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 stylé, hein. Vraiment, celui-là aussi, celui-là, celui-là. Alors vous allez me dire, bon, les artistes font ça, faut rémunérer les artistes, c'est normal, mais pourquoi c'est aussi cher? Eh bien c'est cher parce que apparemment 30% de l'argent qui est récolté va dans une association pour la préservation des éléphants, tout ce qui va bien. Oh oui, celui-là est génial. Exactement, avec le petit Duriam. Celui-là, oh, très 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 stylé. Alors bon, le multipack, 1500 bahts, bon, ça fait 75 euros. Non, ça fait, attendez, 25 euros, plus la moitié, 30, 35 euros. Ça va, si c'est le pack. Oh, si c'est le pack, ça va, c'est pas excessivement cher. C'était les casquettes. Je vais être stylé. Ça fait très penser à Lyon, ceux qui auront vu un petit peu les lions qu'on avait chez nous. Donc 30%, voilà, donc du coup bon c'est cher, mais forcément bon, y a quand même vous avez quand même une œuvre d'art, hein, quasiment. Et puis 30% vont aux éléphants. Ici, celles-là, ils sont trop stylés. Il y a vraiment une armée de. Génial, génial, génial. On continue.
prix ça pique. Hein. Oh, remarque. Là ça va mieux, là, 4000. 4000 ça fait 100 euros. Hein. 100 euros le gros, ça va. L'artiste doit être moins coté. Ils sont moins stylés, là, c'est sûr. Celui-là il est sympa aussi. Avec les ampoules et tout. Après, voilà, je veux dire, un geek électronique, c'est celui-là qu'il nous faut. Combien? Putain, le gros 70 000. Allez, celui-là 10 000, ça fait 200 euros quoi. Ouais, c'est un peu mal. On va aller voir, je vais vous faire voir un peu les trucs les plus jolis que vous pourrez voir. On fait un peu le tour. Celui-là, il est très 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 stylé. Celui-là en bois aussi, vous voyez. Simplement, ils prennent le truc. Là. Là. J'ai un peu le tour. Il y en a énormément. Hein. Oh, celui-là, on regarde un peu. Là, t'es vraiment dans le truc taille pur et dur. Oh, celui-là en romain, regarde. Exceptionnel. Exceptionnel. Très, c'est juste. J'adore ça. Voilà, vous en avez un peu, oui, un peu mode peinture. Amore. Amore, hein, c'est amore, amore. Allez, on va finir là-bas. Alors. Autre partie, avant de ma conclusion de choc, vous avez la possibilité en fait de venir faire le propre, vous. Alors ça coûte 1000 bahts, 25 euros, et tu t'assois là, il donne ton éléphant, donc là il est à toi, vous voyez, un truc en plâtre, et tu le peins toi-même. Alors, je te raconte pas le carnage, tu dois rêver de faire un éléphant comme ça, tu dois te retrouver avec une putain de merdasse, peint à l'arrache comme un gamin de 8 ans. Ouais, 8 ans c'est beaucoup, quand même, 24 ans. Voilà. Et après, bah, du coup, tu pars avec ton éléphant, ça te permet de passer un atelier, oui, 25 euros. Là, c'est vraiment plus parce que ça lui un cul énorme. Allez, on fait la dernière partie avant de faire mon closing. Ici, vous allez voir, il y a des trucs. Ça, c'est très très stylé. Là aussi. Là aussi. Là, waouh, trop génial. Voilà. Certainement, celui qui va le plus vous faire délirer, c'est le Spider-Man. Celui-là est très 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 sympa aussi. Le camo, ici. Celui-là, ça fait un peu Captain America, hein, c'est très sympa. Ici, le zèbre, forcément. Le tigre. Ils sont bien faits en plus, hein, c'est vraiment stylé. Alors ça, c'est le tigre blanc. Celui-là, il ne fait pas délirer celui-là. Bon, 1300, le plus petit. Alors après, il y a beaucoup de prix. 10 cm, là, bon, 2000, on approche les plus de 50 euros, 3004, on approche les 100 euros, 8009, là, on approche les 200 euros, et 70 000, bah, 7 x 250, 7 14, 7 x 5, 35, voilà, ça fait 1700, dis donc, hein. Voilà, allez, on finit ici, et vous allez voir que la fin est encore mieux, plus géniale. Ici, donc là, on est sur les éléphants, là, celui-là est génial, les États-Unis. Ah, il y a les drapeaux et tout, l'Amérique, très stylé avec le truc, celui-là avec les girafes, et celui-là, et on finit par mon closing. Alors vous allez me dire, c'est qui? Eh ben, c'est Mocha. Vous chercherez sur internet, c'est un des premiers éléphants, en fait, qui a marché sur une mine, vers le nord de la Thaïlande, là-bas près de la frontière où il y a beaucoup de guerres, je ne sais plus le pays, mais Birmanie ou quelque chose comme ça. L'inspiration, Mocha, la protéine, conservation à 20%. Voilà. Donc du coup, il a marché sur une mine et il a perdu une jambe. Donc là. Et ils ont fait une prothèse. En fait, c'était le premier éléphant à avoir une prothèse comme ça. Ils en sont à la 9e génération de prothèses. Vous pouvez regarder sur internet. Il y a même pas. La France en a parlé parce qu'en fait, la fondation Brigitte Bardot était sur le dossier en fait pour aider à financer et tout. Donc le premier, c'était vraiment le premier éléphant qui était équipé d'une prothèse. Vous voyez, c'est Mocha ici. Donc ils ont bien mis. Et donc du coup, c'est devenu un peu la mascotte, la coqueluche de la Thaïlande. Ou quand même, voilà, un éléphant. Un éléphant, ça marche sur une mine, perd une jambe. Toi, tu marches sur une mine, tu finis en spray. Mais voilà. Donc après, il était tout bébé. Enfin, tout bébé, ça doit faire 200 kilos. Il avait 8, 7 ou 8 mois, je crois. Je ne me rappelle pas exactement. Et du coup, voilà, c'était vraiment devenu la mascotte. Et voilà, encore une fois, ça, tout ça, en fait, l'argent qui est un peu récolté, et ben, ça sert à ça. Ça sert à la préservation des éléphants. Ça sert à, quand il y a des accidents comme ça, à payer des trucs. Et Mocha, éléphant de parade, inspiration. Mocha, protective, éléphant, university. Mocha, aussi, continual, structural, support, from éléphant de parade. Voilà, donc il continue. Hein, à chaque fois que tu achètes, donc du coup, encore une fois, l'argent là-dedans. Is earned. 20% of the profit contribute directly to the project, helping Asian elephant, like Mocha, in the struggle for survival. Donc c'est 20%, c'est pas 30%.
Ouais, c'est vrai que c'est 30%. Mais bon, après, peut-être que pour Moka, c'est 30%. Et du coup, voilà un peu l'idée du dossier, du magasin. Alors, c'est pas un placement de produit pour magasin, mais je trouvais l'initiative quand même plutôt sympa. On a oublié de faire ça là-bas. Il faut absolument qu'on y aille. Donc là, vous avez votre petit set. Vous pouvez acheter un petit set pour Noël, 1400. Parce que là, du coup, la peinture, elle est à dispo, donc tu payes pas la peinture. Si tu veux ta propre peinture, et ben tu prends ton éléphant, comme ça et tout. T'as les couleurs et tu le peins toi-même et t'arriveras à voir. Oh, c'est trop mignon ça. En plastique le plus moche et tu fais ton propre éléphant. Celui-là il est stylé, celui-là il est ouf, celui-là il me plaît trop, c'est vraiment génial. Bon, par contre, vous voyez le petit 15 cm, les petits ont l'air vendus, mais 2500 bahts, puis ça fait 50 euros, presque 60 euros. Je veux bien aider les éléphants, mais quand même quoi. Là, et on finit avec celui-là ici. Très sympa, celui-là avec Shanghai, dédicace à BKK, non il a Shanghai. Ici, celui-là avec Bangkok, très 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 sympa. Là, c'est vraiment très très stylé. Celui-là, vous voyez qu'on avait vu un petit peu dehors, avec le mode un peu tuk-tuk, la planche de surf pour les plus sportifs. Ici, et là-dessous, ils sont magnifiques. Celui-là, on dirait vraiment qu'il est en pierre. Mais c'est toujours le même principe, hein, vous voyez, un peu peint, ou granulé, ou sablé, ou mis avec du bois carrément. Et voilà, on aura fini un petit peu le tour de ce magasin. On les remercie de nous avoir laissé filmer. On fera une jolie petite vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Alors, encore une fois, les prix, ça pique, mais c'est fait par des artistes, des œuvres d'art, du coup, ça aide les éléphants. Et puis voilà, on peut acheter des prothèses aux éléphants et acheter des trucs, mais vraiment, on finira avec celui-là où il me fait vraiment triper à mort. Allez, les prospérités. Bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, une vidéo un petit peu différente, hein. On va essayer un peu comme ça, faire visiter des endroits et tout, sachez, on vous mettra le lien en bas avec l'adresse si vous voulez venir, si vous êtes à Pattaya, puis vous pourrez acheter aussi des éléphants, moi j'en ai acheté pour ma mère, hein. Les petits là-bas, j'en ai pris 4 déjà, elle m'a demandé, je crois que j'ai pris celui-là, ici 1, celui-là 2, j'ai pris le Père Noël là-bas, 3, et le Reine non. Il y en avait un quatrième, je ne me rappelle plus, ça fait 1, 2, 3, et je sais plus. Mais bon, il y en a un quatrième, ça sera surprise. Oh, et celui-là, regarde. Oh, putain. Et je veux dire, s'il y avait une licorne, on aurait pu. Je l'aurais acheté pour, je l'aurais acheté pour notre ambassadrice, modératrice, dominatrice. Elle s'en reconnaîtra. Allez, paix prospérité. J'espère que vous aimez cette vidéo. Hein, ça vous change un petit peu. Allez, bye bye.